Nous maintiendrons ce mouvement de grève et consulterons les salariés jusqu'à mardi, date à laquelle aura lieu un rassemblement interprofessionnel le plus large possible, nous l'espérons. Nous avons ouvert ces robinets pour détendre l'atmosphère. Encore une fois, l'objectif n'est pas de diviser les Français, de créer des tensions. L'objectif est maintenant de rassembler les Français autour d'une même revendication, autour d'une offensive sociale contre ce gouvernement très régressif. La question du pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations, mais il y a également celle des retraites qui va venir rapidement sur la table.